Près de 2 mois après le démarrage de la rentrée scolaire, des cas de grossesse précoce en milieu scolaire se sont signalés dans plusieurs établissements du pays. Au CEG à Thiégout, la directrice de cet établissement public lance l'alerte lors d'une réunion avec les parents d'élèves mardi. Ceci, après avoir révélé des cas de grossesse au sein de l'établissement. Pour certains géniteurs, leurs enfants trompent leur vigilance avec le système du double flux où les cours sont programmés dans la matinée pour certains élèves et d'autres dans l'après-midi. Même si aucun chiffre exact n'a été avancé par la responsable de l'établissement, elle a invité les parents à faire preuve de vigilance à l'égard de leurs enfants. Un acte de sensibilisation à l'endroit de ces derniers. Il faut noter que sur la période allant de septembre 2020 à mars 2021, le Togo a enregistré un total de 1222 cas de grossesse précoce et non désirée. Des chiffres issus des résultats d'une enquête menée par la Direction de la Planification de l'Éducation, en collaboration avec l'UNICEF et la Banque mondiale dans les établissements scolaires du Togo, année académique 2020 à 2021.